Ready, don't you be afraid now. Welcome to the new stage. We can have it, everybody okay. Gotta turn a new page. Salut les Miss Happy. Donc aujourd'hui, on poursuit tout de suite notre aventure sur la maison du style. On commence tout de suite par Rosalie. Bonjour, cet hôtel sur la côte était génial, non? Oui. Je suis venue aujourd'hui parce que j'aurais besoin de votre aide pour quelque chose. On m'a demandé d'être l'égérie d'une marque de vêtements. Oh cool! Il s'agit... c'est quoi ça déjà? C'est... créer tout... Maintenant, les gens pensent que j'ai un sens aigu de la mode. Bref, je vais faire une séance photo pour un catalogue. Et j'espérais que vous acceptez... Oui? Ah bah oui, avec grand plaisir. La séance aura lieu au studio. Ouais. J'espère que vous... Oui. Oui. On y va tout de suite. Bienvenue, Missa. Votre visite est un plaisir comme toujours. Il me semble que Monsieur Quinn vous attend, vous pouvez entrer tout de suite. Merci beaucoup, Missa. Alors, vous êtes la styliste de Rosalie, hein? Je suis l'un des stylistes de... Ouais, et si ça vous va, j'aimerais que vous prépariez quelques tenues. Que pensez-vous d'une robe de ville pour aller avec des chaussures fermées et le pendentif de la nouvelle gamme? Ouais, ok, une robe de ville. Et voilà la robe que j'ai choisie pour ma petite Rosalie. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le bleu, ça lui va trop bien, puis ses chaussures sont bleues. Donc, c'était parfait pour moi. En plus, ouais, non, mais comme je vous dis, je trouve que le bleu lui va beaucoup, beaucoup trop bien à Rosalie. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas exactement le même bleu que les chaussures. Il aurait fallu un bleu un peu plus foncé, au moins, c'est plus, un peu plus pastel. C'est le seul truc qui est un peu dommage. Remarquable travail, tout ceci a été choisi avec beaucoup de talent. Et maintenant, est-ce que vous pourriez trouver un haut chaud coordonné avec le tout? Ah, oui, mais oui, un joli haut chaud. Un eau chaud, oh là là, ça va plus être compliqué ça. Donc l'eau au chaud, il faut savoir que j'ai énormément hésité entre lui mettre un haut blanc, à lui mettre un haut bleu. J'ai beaucoup beaucoup hésité, je suis partie pour lui au final parce qu'il a deux petits cœurs sur le côté. Je trouve ça joli, mais c'est vrai que ça fait un peu tout bleu. Mais j'ai pas trouvé d'autre eau qui me plaisait. Donc au final, j'aurais bien voulu changer la robe, mais c'était trop tard. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant en fait qu'ils nous demandent à chaque fois de pas tout créer la tenue complète directe en fait. Là maintenant comme vous voyez il lui fallait un chapeau, donc là par contre je suis partie pour du blanc pour casser tout et le chapeau j'aime beaucoup. Je trouve que ça lui va bien. C'est tout simplement superbe, j'adore. Donc maintenant on va faire la séance photo. Ok, prête? Elle est mignonne. La tenue est parfaite, mais Rosalie, ton visage ne l'est pas, bichoune. Allez, donne-moi un beau sourire, mais si tu tiens. Ok, elle n'a pas l'air à l'aise, en fait. Bon, il y a quelque chose qui cloche. Ça vous ressemble pas du tout, Rosalie, vous n'êtes pas comme d'hab. Quoi, vous trouvez? Je voulais juste essayer d'avoir l'air sûr de moi. Je croyais que vous seriez parfaite pour nos vêtements, mais... je ne sais plus. Que direz-vous de changer d'endroit pour la séance photo? Très bien, mais pour aller où? Quelque part où Rosalie sera détendue et à l'aise. Un endroit où je serai détendue. À la ferme! Bah ouais, bah la ferme! La quoi? Quelle ferme? Bah oui, Rosalie, elle a grandi au milieu des vaches, bien sûr. Oh, regardez comme c'est trop, trop beau. On va prendre des photos ici. Oh, c'est comme être au retour à la ferme familiale. Maman, elle est contente. C'est magnifique, tout est si vert et le ciel s'étend à perte de vue. Bah oui, là, ça se voit à l'étincelle de ses yeux. Prenez les poses qui vous semblent le plus naturelles. Ok. On retrouve notre Rosalie. C'est excellent, vous êtes sensationnelle et maintenant... Oh, je sais, enlevez votre chapeau, regardez le ciel, utilisez vos mains pour protéger les yeux du soleil. Fantastique, fantastique. Et maintenant, enlevez votre chaud, génial, prenez une pose énergique. Oh, elle est trop mignonne. C'est parfait. Nous avons pris des photos exceptionnelles. Je sens que le catalogue... Merci pour votre aide, Missa. J'ai été trop complexée par Angélique et ses conseils. Je dois avoir confiance en moi dès que je suis vraiment... Bah oui, bichounette, voilà. Si l'autre allumait la pression, je n'arrive pas à choisir la photo pour la couverture du catalogue. Laquelle préférez-vous, Missa? Oh, c'est à moi de choisir. Trop bien. Ouais. Ah, celle-ci, elle est trop belle. Je l'adore, celle-ci. Ouais, non, mais la troisième, je l'aime trop. Enfin, ouais, c'est la plus à droite, elle est trop, trop belle, je trouve.
Eh bien, nous utilisons celle-là. Ouais. Ah, ça nous termine la journée et on passe au niveau... Ah non, on est au niveau 33. C'est ça. Ah bah, il faut qu'on se rende au showroom et j'ai débloqué la pâtisserie, donc on va aller voir ça tout de suite. Que se passe-t-il au showroom? Ah, c'est l'affiche. Eh bah, elle ressort super bien l'affiche de Rosalie comme ça. Léonard, salut, je peux vous parler. C'est qui? Vous êtes? Je suis occupée, désolée. Vous êtes? Oh pardon, de vous avoir fait peur. Nous allons offrir une pâtisserie dans les environs. Ah bah, quand on parle de la pâtisserie, tenez, voilà notre prospectus. Ouais, ok. Oustre, vous l'ouvrez ensemble? Vous l'ouvrez ensemble? Pourquoi elle parle pas? Ma femme et moi avons toujours voulu tenir une pâtisserie, c'est le rêve de notre vie. Charlotte ne parle pas beaucoup aux gens, mais c'est une excellente pâtissière. Nous devrions ouvrir très bientôt et nous serons très heureux de vous accueillir. Ok. Donc là, si on y va, ça veut dire qu'il n'y aura rien. Il se passe rien. Donc le showroom, vous savez que maintenant, quand je fais mes achats au showroom, de toute façon, je vous montre pas, parce que sinon, on perdrait trop de temps. Et derrière, il y avait l'affiche de Rosalie, alors on sort trop bien. Donc on va quand même passer à la pâtisserie pour voir. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça donne faim. Oh là là. Tiens, il y a Garance. Ah, vous voilà, bienvenue. Tiens, c'est vous, cela ne devrait pas m'étonner. Vous avez sûrement un intérêt particulier pour les nouveautés. Vous vous connaissez? Bien sûr, je passe souvent, enfin, de temps en temps, à sa boutique. Vous avez déjà dû en entendre parler, non? Ah, cette boutique-là, je suis déjà passée devant, en effet. Vous êtes d'ici, alors nous nous reverrons sûrement dans ce cas. Vous avez déjà goûté les gâteaux de cette pâtisserie? J'en ai déjà mangé un certain nombre, mais je peux vous dire qu'ils sont bons. Je crois que je vais en acheter 30. 30? Ah bah 30? Je ne vais pas tout manger moi-même, évidemment, il y en aura aussi pour Rosalie. Ouais, non, mais même à 2, 30, ça fait beaucoup. Vous savez, comme elle travaille dur, ça doit faire une éternité qu'elle n'a pas pris le temps de savourer un gâteau. Excusez-moi un instant, je vais vous préparer votre commande. Oh, j'enverrai quelqu'un la chercher plus tard. Très bien, nous allons nous en occuper. D'ailleurs, est-ce que vous voulez bien nous dire ce que vous pensez de nos gâteaux? Bien sûr, voyons, ils sont vraiment très bons, c'est certain, mais je crois qu'ils pourraient être encore meilleurs. Ils seraient parfaits s'ils étaient juste un peu moins sucrés, à mon avis. Je vous en aurais acheté deux fois plus dans ce cas. Ah ouais, mais les gâteaux, c'est forcément sucré. C'est tout, je pense. Merci d'avance pour les gâteaux. Je vois, merci et au revoir. Un peu moins sucré, il va falloir que j'y réfléchisse. Oui, on peut mettre un minimum de sucre, mais le gâteau sera forcément sucré. En tout cas, c'est trop, trop beau. Ah, ça y est, ils sont bloqués. Désolée, je crois bien qu'elle est dans son monde. Qu'est-ce qu'il vous faut? Et d'accord, et là, on passe, c'est quoi? Une friandise, nœud de stock. Ah. Ok, donc on peut acheter des gâteaux, des trucs comme ça. Oh, une part de Charlotte, c'est tellement bon, les Charlotte. Ça me donne très faim, moi, tout ça. Ce serait bien que je puisse en avoir en vrai. Il faut savoir, dans la vraie vie, je suis extrêmement gourmande. Merci et à bientôt. Bon, j'ai rien pris parce que bon, ça va pas nous servir. C'est bon, on peut continuer. Il y a plus rien, il y a plus rien. Bon bah, on va à la boutique. Ne fait que passer. Je me permets de vous remercier encore une fois pour vos conseils vestimentaires. Mes amis ont adoré la tenue que vous m'avez créée. Et du coup, voici pourquoi je suis revenue. J'ai vu une émission sur la mode hier soir. Elle disait que la prochaine grande tendance sera le style rock, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais rien au style rock. Et si je commençais par des chaussures? Oui, ça, je veux des chaussures rock. Rock, d'ailleurs, faut que j'aille me réapprévisionner. Donc je dois pas avoir grand chose. Et voilà, qu'une paire. Et je trouve pas qu'elle fasse rock, mais je savais que rock, il faut que j'aille... que j'aille au showroom. Bon écoutez, bon, on va quand même lui proposer. Mais bon, ça va pas comme elle est habillée. Enfin, j'aime pas. C'est moi qui l'ai habillée comme ça. Mais c'était très bien les chaussures que je t'avais mis avec, Miss. Celle-ci, non. Il n'y a pas à dire quand c'est choisi pour une pro, par une pro, on voit la différence. Merci, bon, va falloir vraiment que j'y aille un jour. C'est la première fois que je suis dans la mode, je sais que je vais revenir vous voir très souvent. Je sens, pardon, je vais revenir vous voir très souvent. À la prochaine, donc.
On est à quel niveau? Ah, bientôt 35. On en encaisse une autre et on verra après. J'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, alors je peux tranquillement m'adonner au shopping maintenant. Encore un grand merci pour ce que vous avez fait pour moi. C'est incroyable à quel point vous me comprenez. C'est bien évidemment pour ça que je suis revenue. Excusez-moi, vous vendez des vêtements verts ici? Verts? En ce moment, je sors presque tous les jours avec des amis. On s'amuse bien, mais je commence quand même à fatiguer. J'ai vu un reportage télé l'autre jour. Il disait que la couleur verte était efficace pour se relaxer. Je me suis dit que ça pourrait me faire du bien. Alors me voici. Vous pouvez me montrer un top vert, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai ça en stock? Plus celui-ci, celui-ci, non, il fait trop... Ouais, je serais bien partie pour lui. Je trouve que ça irait pas mal. Bon, après, il faudrait un pantalon tout qui aille avec. Il est joli en plus, ce top, je l'aime bien. Oui, voilà, qu'elle peut pas sortir. Donc, elle nous en prend des trucs. Voilà, avec un jean, c'est parfait. J'aurais mis un jean aussi avec. Elle est toute jolie comme ça. J'aurais bien voulu passer au niveau 35, donc peut-être que je vais vous avancer un peu pour pouvoir être au niveau 35, parce que j'espère qu'on va débloquer des nouveaux trucs. J'aimerais bien. Donc, je viens de passer au niveau 35 et il s'est absolument rien passé. Ça m'a juste un peu... Enfin, mon espace de stockage est plus gros. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas grave, on n'a rien débloqué. Et là je vous reprends parce qu'il y a Elsie. Elsie, je vous rappelle que l'épisode précédent c'était un peu beaucoup avec elle. Parce qu'elle a été arrêtée dans la rue, blabla, elle a fait des photos pour un magazine, voilà voilà. Et donc là elle est de retour, notre chère Elsie. Oh Missa, j'espère que vous n'êtes pas trop occupée. Désolée de vous avoir sauté dessus à l'improviste, mais pourriez-vous venir au club? J'ai bien réfléchi, j'aimerais vraiment que vous soyez là pour mon ultime audition. Je suis vraiment désolée de vous faire subir toute cette pression sans prévenir, mais je vous attendrai avec impatience. Donc elle passe une autre audition, elle nous en avait parlé. Bon bah go au club. Ah Luna, ça fait trop longtemps. Bonjour, je suis contente de vous voir, comme vous l'avez sans doute compris, j'ai un service à vous demander. Ce soir, je vais sur le... lieu de tournage du film dont je vous ai parlé. Oui, ça aussi. Vous pensez pouvoir m'accompagner en tant que ma styliste? Oh là là, mais c'est qu'on a attendu de partout, là. Ah non, elle a déchiré les vêtements. J'étais totalement immergée dans l'action et j'ai dû gesticuler un peu trop d'ardeur. Il faut également prendre en considération que le réalisateur souhaite... C'est une scène clé, le point culminant de l'intrigue. Vous pourrez venir tout de suite. Oui. On doit être un peu de partout. Donc là, on commence par Luna et après, il faudra qu'on aille au club. Voici Zach, c'est lui qui joue le garde du corps. On l'a déjà vu, lui. Regardez qui voilà, c'est vous qui jouez le rôle de la styliste de génie dans la vraie vie, je veux dire. Ils ont bien fait de vous embaucher, si seulement vous vous occupiez aussi de ma garde-robe. Oula! Et voici le réalisateur du film. Ça m'a perturbé, ses cheveux tout blancs comme ça, là. Vous êtes la styliste de Lady Moon, c'est ça? Cette scène décrit la déchirante séparation de la diva et de son garde du corps. Ils s'aiment profondément, mais n'ont d'autre choix que de se séparer. Elle tente de monter dans son avion, mais elle ne peut résister à un dernier au revoir. Oh. Elle accourt vers lui, sa robe habillée dessine. Oh là 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 là. La caméra zoom sur ses... Ok, donc il me faut une robe. Pouvoir trouver une robe habillée faite pour cette scène. Ok. Ok. Je compte sur vous, donc il faut des robes habillées qui soient magnifiques pour un dernier... Pour un dernier au revoir. Donc, comme je vous disais, je suis partie pour cette robe avec ses chaussures. Je lui ai mis une montre, je lui ai pas mis de collier parce que je trouve déjà que le haut de la robe est assez chargé. Donc je voulais pas en rajouter. Est-ce qu'elle garde sa veste ou elle est vraiment qu'en... Non, elle est qu'en robe. Mais je sais pas, ouais, quand il a décrit la scène, je la voyais avec une robe... Je sais pas, différente, mais vu le choix qu'on avait... Mais ça me va quand même. Au moins, elle va pouvoir tourner sa scène. C'est parfait, éblouissant, elle soit exactement ce qu'il fallait pour cette scène finale. Oh, merci de tout cœur. Bon, mettons en boîte cette dernière scène, alors les caméramans, les caméras en place. Je dis caméraman, caméra... La tournée est enfin terminée. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Mais cette tournée a été merveilleuse. Et coupée. Allez, scène suivante, on passe à la scène des adieux avec le garde du corps.
Oh, j'aurais aimé qu'il en soit autrement. Mais je dois m'en aller, tout nous sépare. Promets-moi de faire attention à toi. Pas un pas de plus. Coupé! Qu'est-ce qui vous prend en tourne là? Ouais, j'avoue, qu'est-ce qui lui arrive? Désolée, je me suis laissée emporter. Oh bon sang! Pourquoi il a intervenu? Il est amoureux de Luna? Déjà parce qu'ils allaient s'embrasser? Non, j'en sais rien. Je sais pas, c'était bizarre tout ça. Ça suffit pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté si tard avec moi, je vous remercierai jamais assez. Il faut encore qu'on aille au club. Ah bah non, d'accord. Il fallait qu'on aille au club. Ah bah voilà. C'est ça, casting. Tout le monde est prêt, c'est aujourd'hui la dernière étape du casting commun de nos deux magazines. Jeune et choupie, et en mode cool. C'est la première fois que nos magazines au style si différent organisent ensemble un tel événement. Les deux candidates sélectionnées deviendront la figure de pro respective de nos deux publications. Qui seront les heureuses élues? Le suspense est à son comble. Je suis maintenant prêt à vous annoncer les résultats. La gagnante qui va repartir aujourd'hui sous les honneurs est... Elsie ! Oui ! Vous avez été sélectionnée pour devenir le mannequin vedette de Jeune et Choupie. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Félicitations Elsie, vous avez réussi. Oh, Leila, je suis si heureuse, heureuse à en mourir. Ah non ! Alors, vous n'allez pas vous mettre à pleurer, c'est un événement joyeux sur scène. Faites-nous un beau sourire. Ah ah, d'accord, le voilà. Ce ne serait pas une promenade de santé, mais je sais que vous donnerez le meilleur de vous-même. Et puis vous venez de prouver que vous avez toutes les capacités qu'il faut pour bien mener votre barque. Je suis certaine que les lectrices de Jeune les Choupies vont vous adorer. Moi aussi. Ça y va bien en plus. À propos, tout à l'heure, nous allons avoir une séance de photos et une interview pour chacun des deux magazines. Il faut mieux que je me prépare alors. Ah, Missa, merci beaucoup d'avoir été présente, je vous dois tellement. Vous avez été super. Ah, c'est donc vous. Oui, enchantée de faire votre connaissance. Je suis Lenny du magazine Jeune et Choupie. Elsie m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous choisissez toujours des tenues du meilleur goût. C'est vraiment une tenue girly hors pair que vous avez choisie là. Elle va être fantastique, bien. Non mais on peut encore la relooker. C'est tout à fait le look Jeune et Choupie qui revient pour notre magazine. Oh là, je n'avais pas vu l'heure. Il est temps que je me saoule, le travail m'appelle. Au plaisir de vous revoir bientôt, Elsie. Continue sur cette lancée. D'accord, comptez sur moi. Vous savez, Missa, le fait que j'ai réussi ce casting et que je puisse devenir mannequin comme j'en ai toujours rêvé, eh bien tout ça, c'est absolument grâce à vous. Alors, je voudrais encore une fois vous dire merci sincèrement et de tout mon cœur. Désormais, je vais pouvoir gagner ma vie en travaillant comme mannequin. Même si ça signifierait beaucoup pour moi, si vous pouviez continuer à me donner des conseils à l'avenir. Bien sûr. Et dernier truc, au showroom de retour... Oh, trop classe. C'est trop beau. Ok. Donc on va retourner à la boutique et on va de nouveau encaisser une ou deux personnes. Regardez qui c'est qu'il y a. Il y a Rosalie. Donc on va aller tout de suite la servir. Coucou, comment allez-vous? Merci pour toutes les tenues que vous avez préparées ces derniers temps. Le catalogue a fait un carton et je sais que vous n'y êtes pas pour rien. Le prochain événement auquel je dois participer est une grande garden party organisée par une grande marque de vêtements. Ok. Vous pensez pouvoir me trouver quelque chose à mettre? Il faut que cette tenue me soit composée que... Bah oui, ça c'est évident. Oh, et la garden party aura lieu dans l'après-midi, alors choisissez des couleurs très lumineuses s'il vous plaît. Ok. Ok, ok. Bon alors déjà il va falloir qu'on tape tout de suite dans la marque. Et très lumineuse. Bon bah, je vous fais la tenue et je vous montre après. Et voilà la tenue que j'ai choisie pour notre chère Rosalie. Donc c'est une robe avec des chaussures en fait qui montent super haut. Parce qu'au niveau des chaussures dans cette marque, je peux vous dire qu'on a vraiment pas grand chose là. J'ai été au showroom en fait pour voir parce que j'étais bloquée au niveau des chaussures. Mais même au showroom, ils ont rien. Enfin, je trouve que les chaussures ne vont pas avec le reste. Donc bon, bah j'ai trouvé cette tenue, c'est celle qui me plaisait le mieux, on va dire, parce que j'ai essayé plein de trucs, mais ouais, chaque fois c'est les chaussures, j'étais pas fan.
final, là, ça va bien ensemble. C'est... voilà. Quel excellent choix, je comprends que vous soyez si sûr de vous. C'est tout simplement superbe, j'adore. C'est merveilleux, parfait même. Ah, elle nous invite à sa fête. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Au final, je suis assez contente de la tenue de Rosalie parce qu'elle ressemble à ma tenue et vu que ma tenue, je l'aime beaucoup, eh ben, c'est cool. Donc, au final, je suis satisfaite. J'espère que vous aussi, elle va vous plaire, que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très prochainement sur la suite. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.